Bonjour, je suis sœur Elisabeth, membre de la congrégation Marthe Marie. Je suis sœur Anne-Thérèse, membre de la congrégation Marthe Marie aussi. Et moi, je suis sœur Gisèle. Nous sommes très contentes de nous adresser à vous. Donc, et nous sommes religieuses. Le Seigneur a voulu nous appeler. Donc, il y a besoin de notre Église. Nous connaissons aussi que dans notre diocèse, il y a tellement besoin de jeunes qui s'engagent dans cette vie. Donc, nous sommes invités à demander au Seigneur de continuer à nous envoyer les âmes de vocation pour continuer sa mission. Donc, n'ayons pas peur, le Seigneur, il nous écoute, mais malgré que quelquefois il ne répond pas, ou on pense qu'il ne répond pas, mais prions, prions. Si ici en France il n'y a pas de vocation, c'est sûr, dans d'autres pays il y aura beaucoup de vocation. Nous sommes invités à demander au Seigneur de continuer à nous envoyer les âmes de vocation pour continuer sa mission. Donc n'ayons pas peur, le Seigneur, il nous écoute, mais malgré que quelquefois il ne répond pas, ou on pense qu'il ne répond pas, mais prions, prions. Si ici en France il n'y a pas de vocation, c'est sûr, dans d'autres pays il y aura beaucoup de vocation. Nous marchons, on peut dire comme un symbole, un geste, pour demander au Seigneur, pour dire Seigneur, nous sommes réveillés, nous voulons montrer que tu es vivant et que tu attends les âmes, que tu continues à appeler. À vous les jeunes, nous vous adressons aussi, n'ayez pas peur, laissez que le Seigneur vienne conquérir votre cœur. Il peut vous donner tout. Donc, n'ayez pas peur, venez, il y a vraiment besoin.